My first question will go to you, of course, Anthony Angelo Russo. I mean, obviously, Captain America the Winter Soldier is very much a sequel to Captain America First Avengers and to Avengers. How exciting was it to embrace both the Marvel Cinematic Universe and the Captain America as the heroic mythology is? I mean, how did you make him your own? Comment ont-ils, se sont-ils appropriés l'univers Marvel, bien sûr, et aussi la mythologie de Captain America? It's interesting. It's been an interesting journey for us. I mean, I started collecting comic books when I was 10 years old. I have a very large collection still in my closet with thousands of books. So we're fanboys. I loved Captain America as a kid, but there were components of the character that I thought were a little superficial and somewhat jingoistic. Ed Brubaker wrote this great run in 2005 about the Winter Soldier. It was deconstructionist and postmodern and a very interesting take on Captain America. It was thematically, it turned the mythology on its head. So we really embraced that. When I started collecting, Frank Miller was a very important writer, and he was a big influence on us. Sorry, go ahead and translate. Voilà, et bien pour nous, ça a été évidemment un voyage passionnant parce que depuis l'âge de 10 ans, je collectionne les comics justement et j'ai toujours dans mon placard des milliers de comics. Donc nous sommes vraiment des fans absolus. Et c'est vrai qu'enfant, moi j'adorais par exemple Captain America, mais je lui trouvais des aspects un peu superficiels, un peu égoïstes en quelque sorte. Et lorsque j'ai lu la version, enfin en Ed Brubaker en 2005, évidemment du Soldat de l'Hiver, et bien soudain je me suis dit, tiens, c'est une façon de déconstruire le personnage, de faire du postmoderniste en quelque sorte avec Captain America. Donc c'était un angle qui m'intéressait particulièrement puisqu'il renversait finalement le mythe et la mythologie. Et puis bien sûr, Frank Miller a été une grande influence également. What about you, Anthony? Yeah, well, it's the great thing about this movie for us is it combines two great passions for us. One is comic books, but the other one was Marvel told us they wanted to set Captain America in a modern-day political thriller that was inspired by the great political thrillers of the 70s. And we grew up on those movies. We used to watch them on The Late Show with our dad, who's in the back of the room over there. Movies like Marathon Man and 3 Days of the Condor, these great thrillers of the 70s, helped us form our understanding of cinema and the cinematic language. And so the fact that we got to combine both comic book passion and that genre was really special for us. Alors, c'est vrai que il y avait deux choses vraiment qui étaient aussi fascinantes. C'est que nous pouvions, grâce à ce film, finalement, combiner deux passions. Celle que nous avions, évidemment, pour les comics, mais aussi celle que nous avions pour les thrillers politiques des années 70, finalement, qui nous ont fait grandir. Je me souviens de regarder avec notre père, qui est d'ailleurs là-bas au fond de la salle, The Late Show, et on regardait Marathon Man ou bien Les Trois Jours du Condor. Et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment un modèle, un genre que nous avons pu explorer grâce à Captain America. Donc vraiment, ce mix de Marvel, du Captain America, mais aussi des thrillers politiques des années 70 sont deux influences dominantes dans ce film. Well, there's a question really for you three now. I mean, did their vision, in a way, change your take on the characters you know so well? I mean, the script also involved and was more challenging this time around. Yeah, personally, very much so. I mean, you always have to have a certain marriage with your director, not just in an intimate, personal level in terms of the interpretation of your performance, but just knowing visually what they're going for. You know, it's filmmaking is a very intangible process, so the more communication you can have with your director, the better the final product will be. But my first meeting with the Russos was so promising because we really had such similar aspirations as to where we wanted to take the character and how we wanted him to move, especially physically. In the first two Captain Americas, he was just becoming acclimated with his abilities, and we just wanted to try and show why he deserved a spot on the Avengers roster, and just kind of borrow some more dynamic fight styles from some other films that really nailed that kind of action combat genre.
Alors, c'est vrai que c'est très important lorsque l'on tourne un film qu'il y ait une relation très personnelle avec le ou les réalisateurs, presque un mariage, parce que visuellement, c'est vrai qu'un film, l'art de faire un film, eh bien, c'est très intangible. Donc plus il y a de communication, et plus effectivement c'est important pour des acteurs. Je me souviens lors de ma première rencontre avec Anthony and Joe, eh bien, nous avions les mêmes aspirations finalement. Nous voulions effectivement pousser le héros plus loin. Je dirais non seulement plus loin géographiquement, mais aussi physiquement. Dans les deux premiers, en quelque sorte, il s'habituait à ses capacités, à ses pouvoirs. Mais là, aujourd'hui, on veut montrer pourquoi il a un rôle aussi essentiel, évidemment, dans la mythologie des Avengers, et pourquoi il a cette position si importante. Et on lui a donc donné, physiquement parlant, eh bien, un style de combat bien plus moderne, bien plus adapté, une technique accrue, ce qui fait que pour moi, c'était très intéressant. What about you, Scarlett, the Black Widow? How much have you changed or not with the Vision? Hi. Hi. I didn't, you know, when I first spoke to Kevin Feige at Marvel about the Widow appearing in this movie, I didn't really know how she would fit in with the Cap story, because obviously in the kind of in his previous life, or that kind of in his previous incarnation, it would have been totally, I mean, it seems to be just a kind of way to stuff me in. of course, after I heard, you know, the Russo brothers take through Feige's words about, you know, this sort of flavor they wanted to infuse this film with, you know, that kind of 1970s political thriller. And, you know, of course, it was my character having a sort of this past that would definitely favor towards a kind of an espionage type of story. That made much more sense to me. I mean, obviously, these characters don't really fit in a romantic context. So, you know, it was kind of about trying to find a common ground between them. And I think you kind of do find an unexpected common ground, kind of similarities between them. Alors voilà, c'est vrai que lorsqu'au départ j'avais rencontré Kevin Feige de Marvel, bien sûr qui dirigeait Studio Marvel, eh bien je me demandais vraiment comment mon personnage allait finalement exister au sein de cette mythologie. Alors c'est vrai que dans les deux précédents, eh bien j'étais un peu juste là comme un personnage, mais on ne me voyait pas vraiment évoluer. Alors que ici, lorsque j'ai parlé avec effectivement les frères Rousseau en quelque sorte et leur vision du thriller politique des années 70, soudain j'ai aimé le ton particulier, la vision particulière qu'il voulait donner à ce personnage. Et mon personnage, cette fois-ci, même si son passé reste un peu mystérieux, il y a cet angle d'espionnage qui m'intéressait beaucoup. Et puis, il n'y a pas de contexte romantique qui est possible ici. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve avec Captain America, eh bien, finalement, il y a, de façon tout à fait inattendue, on découvre des similarités entre les deux personnages. Et c'est cela qui m'a intéressée. What about you, Nick Fury? I mean, did you change your take, or is it still the same Nick Fury? Well, the same Nick Fury, but interestingly enough, we don't see Nick Fury too often where he doesn't have the upper hand. So when he does feel duped, he has to reach out in another way and try and find the answers to the questions that he has in his mind and he has about his organization. And it was great. You know, it's always great to kind of come back to the Marvel Universe no matter what. You know, we all go off and do other things, and then we come back and we put these costumes on, and it's kind of like we're the kids in the playground who come back together and kind of go, so what have you been doing? What have you been doing? So what game are we going to play today? And we all get together and we start playing this new game. And Russo's brought a new game, which was very interesting and great for us to play. So it was great. Alors voilà, évidemment, je suis toujours Nick Fury, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on me voit davantage, en quelque sorte, dans l'action. Car lorsque je me sens trahi, eh bien, je dois agir de toute façon. Et donc, je dois trouver des réponses à des questions que je me pose, non seulement par rapport à moi-même, mais par rapport, évidemment, à mon organisation. Et ce qui est génial avec, finalement, les films et les héros Marvel, c'est que, bien sûr, on fait tous, entre des films Marvel, d'autres choses. Donc, quand on se retrouve, on discute, on échange des idées, on se dit, alors, qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Et puis, surtout, on est prêt à jouer
le jeu. Et le jeu que nous a proposé les frères Russo, eh bien, était un jeu passionnant. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à se retrouver tous ensemble. Question. Question à vous. Ah, ici. Bonjour. C'est une question qui concerne, bonjour, qui concerne le personnage de Steve Rogers. Contrairement à Tony Stark ou à Thor, qui, on va dire, se la pète quand même beaucoup, Steve Rogers, c'est quelqu'un de très simple, à qui il arrive tout ça un peu par hasard, qui a du mal à accepter ses pouvoirs dans le premier film. On cherche encore sa place dans le deuxième. Alors maintenant qu'on sait que vous êtes attaché au troisième film, comment est-ce que vous pensez le faire évoluer? Et puis pour Chris aussi, savoir comment est-ce qu'il aborde ce personnage qui est finalement très simple, enfin trouver sa place entre héroïsme et homme normal. Voilà. Well, this is a question for you as Steve Rogers and of course Captain America. Very much unlike Tony Scott or Thor, you don't basically flaunt it. I mean, you are more humble, more simple, more grounded. And now that you've accepted your powers and you're working on them, how did your character evolve? And also, how do you find a balance, in a way, between his heroism and his humanity? Well, he's a selfless man, which always makes it a challenge to find an arc in the character, given the fact that he refuses to bleed on people. And his acclimation is just about trying to understand the way society works today. I think it's very different than the 1940s, and I think that kind of new vision of the way things operate shines a light on what we've all become accustomed to. I don't know if I answered the question. Was that close? It's your answer anyway. There it is. It's part of your answer. Alors voilà, début de l'avant, c'est vrai que lorsqu'on en a un caractère finalement qui est comme ça, sans vanité aucune, c'est très difficile de lui trouver un arc parce que finalement, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il découvre que la société a extrêmement changé, évidemment, depuis les années 40. Et cette nouvelle vision de la société, eh bien, évidemment, apporte une lumière crue et différente sur ce que finalement nous acceptons tous de plus en plus. That was part of the question. The other part of the question, I believe, was how do you balance heroism and humanity in your character? Well, I think they feel one and the same, really. I mean, I don't think he considers himself a hero. I think that's the first step. I think there's no ego. This wasn't a choice. You know, this was kind of given to him, and he's made a life of giving himself back to people. So heroism, I don't necessarily think comes into the perception when he wakes up in the morning and chooses to put on the suit and be a hero. I don't think he sees himself that way. So I think that kind of strikes a balance in terms of, you know, humanity and humility, really. Alors, en fait, c'est vrai que Captain America, lui, Steve, ne se considère pas du tout comme un héros. Ce n'est pas, il n'y a pas de ego ici. Ce n'est pas un choix conscient qu'il a fait, même s'il a décidé finalement de donner sa vie pour ce choix éventuellement. Mais surtout, le terme d'héroïsme lui-même n'est pas un mot qui entre dans son vocabulaire lorsqu'il se lève le matin, qu'il met son costume. Donc je crois que dès le départ, il y a un équilibre très sain entre finalement son humanisme finalement et son humilité profonde. Bonjour. Bonjour, voilà. C'est une question, pardon, je suis là. Vous pouvez vous lever, voilà, c'est une mieux. Une question pour Chris, Anthony et Joe. En fait, c'est tout bête, mais ça va un petit peu dans la première réponse de Chris par rapport au combat. Est-ce que c'est facile de jouer avec un bouclier toujours accroché au bras? Et pour les réalisateurs, visuellement, est-ce que c'était justement difficile d'utiliser cette arme? Well, of course, I mean, was it difficult, I mean, from the acting viewpoint, obviously, but also from the director's viewpoint, to sort of play around with his shield, because you mentioned new combat techniques, and the shield is certainly part of it. You did a good job with the shield this time around. Yeah, I mean, our approach to the character was, you know, in the 40s, he was off the streets, and he was given this superpower and this sort of John Sullivan style to the fighting, because he wasn't trained at that point. Now that he's been in the modern world for a little while, he has trained and trained significantly. We approached it as if he were the best special operative in the world and knows the most advanced fighting techniques of any soldier in the world. And of course, the shield, you know, is a representative, or it's an extension of his character. So we wanted to find more unique ways to express him as a character through the shield. And we just thought about it from a very practical standpoint. It has two handles,
you could hold one handle and use it in a more Eastern style of fighting. It's a defensive weapon. It's defensive. It's also offensive. So it, you know, it has a lot of versatility to it. Alors c'est vrai que dès le départ, lorsque nous avons abordé ce personnage, eh bien, dans le premier, il combattait en quelque sorte à la Johnny Sullivan, c'est-à-dire vraiment c'était quelqu'un qui n'était pas entraîné, qui n'était pas exercé. Aujourd'hui, dans les temps modernes, eh bien, on voit, en tout cas on a voulu montrer qu'il avait énormément pratiqué et exercé ses pouvoirs et que sa technique de combat est extrêmement moderne. Donc le bouclier pour nous est une extension naturelle de son personnage, de sa personnalité. Donc c'était très important de montrer à travers le bouclier les différentes facettes de son personnage. Par exemple, on lui a donné deux poignées, ce qui lui permet de combattre un peu plus de la façon, vous voyez, asiatique, c'est-à-dire que c'est à la fois une arme de défense et à la fois une arme d'attaque. Donc nous avons voulu que ce bouclier soit finalement aussi versatile et aussi complexe que notre personnage. What about you? Was it like easy, more difficult to handle the shield he was asking? I mean, well, it certainly became easier given the fact this is the third time back with the shield, so it's only more and more comfortable in terms of, you know, feeling like it's an extension of your arm. But they did a really good job of using it again as a weapon as opposed to just, you know, a defensive tool. In the comic books, you never get to see how it actually moves. You know, I think there's been very, I don't want to reference a video game, but I'm going to. In the video game, the shield is used so effectively, and I remember the first time I played it after the first film came out, I just thought we need to start using the shield in a more dynamic manner, because it really is an interesting weapon, and it doesn't have to be used solely for defensive purposes. And this is what the Russos put into their plan, and I think they really incorporated it beautifully in not just the fight sequences, but in their special effects approach as well. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est un peu plus facile parce que c'est la troisième fois, donc je me sens très à l'aise avec ce bouclier qui est comme une extension de mon bras. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il est utilisé vraiment comme une arme et pas simplement comme effectivement quelque chose qui sert à se défendre. Et je dois dire que dans les comics, par exemple, on ne voit jamais vraiment la façon dont il bouge. Mais je dois dire que la première fois que j'ai découvert le jeu vidéo, après avoir tourné d'ailleurs le premier film, je me suis dit, mais c'est génial dans le jeu vidéo parce que le bouclier est utilisé de façon extrêmement dynamique, et je me suis dit, tiens, c'est comme ça que j'aimerais un jour l'utiliser. Et c'est là où les frères Russo sont très forts, c'est qu'ils ont exactement fait cela. Donc, à la fois dans l'action, mais également dans les effets spéciaux, eh bien, ça a permis vraiment d'amener une présence plus importante au bouclier. Autre question, le micro, ici. Hi. Sylvia, for Disney Channel France. My question is to the actor. What would be your secret to be a great superhero? Alors voilà. The three of you, what would be the secret to be a superhero? What I'll say selflessness. I think, you know, there's certainly a wide spectrum of personal drama that each superhero brings to the table. You have characters like Batman that are very dark and brooding, filled with their own angst, and characters like Captain America who refuse to bleed on anybody and are, you know, a model of virtue and morality. But I think the thing that kind of is universal in any superhero has to be a certain level of selflessness, putting other people first. And I think that's what keeps them, you know, coming back for more. Alors pour moi, en tout cas, c'est cette sorte de générosité, de ne jamais penser à soi. Bien sûr, chaque super-héros, en quelque sorte, est porteur de drames divers. Par exemple, Batman est très différent. C'est très dur, c'est un monde dur, c'est un monde noir. Alors qu'au contraire, Captain America, eh bien, lui, refuse ce genre d'être du côté de la force obscure. Il est tout dans la vertu, la moralité. Mais je crois que ce qui caractérise le super-héros, en quelque sorte, c'est effectivement eh bien, son altruisme total. What about you, Scarlett? What would it take to be a superhero in your eyes? Just rock hard abs. What? Really? Like a six pack? Oh, okay. Or maybe an eight pack. All right. I never seen. Well, maybe you have one. Hemsworth. Hemsworth has an eight. I'd say probably Hemsworth's eight pack. Yeah, that's what you. All right. Mm-hmm. Donc voilà. Donc c'est en fait, vous l'avez compris, les muscles. Hein, voilà. Il parlait évidemment de Chris Hemsworth également. Donc pour vous, c'est les muscles. What about you?
I'm not a superhero. I know you're not, but as the question was addressed to the three actors. Probably tolerance, being able to tolerate the lesser beings on the planet. Alors voilà, don't look at me. You'll never be a lesser being. Thanks, Alors voilà, une tolérance en particulier envers les êtres inférieurs. Et évidemment, Scarlett dit, ne me regarde pas quand tu dis ça. Et d'ajouter, mais tu ne serais jamais une créature inférieure. Question, autre question? Oui? Bonjour, hello. Got a double question for the directors. The first about the deleted scenes in the movie. Which are they? The one you miss the most, and maybe you'd like to put back in an extended cut, maybe later. And the second part of the question is about the Easter eggs in the movie. We know that Marvel movies are full of them, and which one are in this one, and specifically in the final target list inside. There are names we might see if we freeze frame the image. Alors voilà, c'est une question évidemment qui s'adresse au réalisateur. Des scènes qui ont été coupées, est-ce qu'on les verra un jour dans une version director's cut ou DVD? Et puis est-ce qu'il y a des clins d'œil, des Easter eggs, comme souvent c'est le cas dans les films Marvel? Oh, you need to consult now, the two of you. Alors. Yeah, the first question was about deleted scenes, right? Deleted okay. scenes. Yeah, well, fortunately, we've been working on this movie for over 2 years now, so it was a long period of time we spent developing the script with the writers. So by the time we got to shoot the movie, the script was very tight, and the final edited movie is remarkably similar to the script. There are a couple of small scenes that have been deleted, though, and they will be on the DVD, and the best of them is a scene between Scarlett and Sam where they have a very nice character moment near the end of the film. It's kind of like Joe and I always say, it's kind of like a masterclass in acting, watching them in the scene together. They're really excellent. But it was just during, you know, sort of a lull in the movie. You know, we just didn't need that kind of soft character moment at that time, and we ended up cutting it. You certainly didn't need a soft character moment, you're right. Alors voilà, à propos des scènes que vous ne verrez pas dans le film et que vous découvrirez probablement dans le DVD, eh bien d'abord, comme c'est, il y a eu à peu près 2 années de développement, donc le scénario et le montage final du film eh bien, sont extrêmement similaires. Mais il y a une scène en particulier entre Scarlett et Sam qui est un moment un peu doux, que j'appellerais une masterclass un peu pour montrer leur jeu d'acteur. Mais on a considéré que vers la fin du film, ce moment un peu doux, eh bien peut-être ne collait pas avec la fin du film. The second part of the question was about the Easter eggs. So which do you have any like Easter eggs that you want to discuss or maybe want to give it a secret? There are a lot of, especially the end sequences also. By the way, we actually had a conversation with Scarlett about that scene. And I think she was the one who recommended at the time that section might have been a little slow. And she said, I can't believe this, but I think maybe we should take that scene out. Alors ça, this is selflessness. Yes, that this is so, we're that's talking a hero. About. That's a hero. See that, I've got to deal with him. Alors voilà, et évidemment, je voudrais ajouter, je dois dire que c'est Scarlett elle-même qui, en quelque sorte, a sacrifié cette scène, parce que c'est elle-même qui a dit, je trouve que finalement, c'est pas le bon moment, c'est un peu trop doux. Donc c'est elle-même qui a fait preuve, effectivement, d'être Look, it was in service of storytelling, and the movie was getting a little slow in that area, so it was a very accurate note. Easter eggs, clearly Marvel has a history of Easter eggs. We come from shows like Arrested Development Community. We're pop culture junkies. We love putting Easter eggs in movies or in our shows and obviously in this film because it just adds a level of enjoyment for the audience the second, third time through when they view the movie. I think Sam is wearing a Pulp Fiction t-shirt today. There is a Pulp Fiction reference in the film. Bob Redford, when he opens the refrigerator, there's a Newman's Own salad dressing in there. Title of one of the books on, pay close attention to the title of the books on Steve Rogers' bookshelf in his apartment. There's lots of, those are three. There's 5 or 6 more, but we'll leave that to the audience to find those. Alors voilà, d'abord, tous les deux, nous avons toujours aimé dans tous nos films, des séries, eh bien, nous avons toujours aimé évidemment ces clins d'œil. Marvel est connu
pour cela, évidemment. Alors, disons que je vais vous en dévoiler, par exemple, trois. Eh bien, Sam, il y a des références à Pulp Fiction. Et d'ailleurs, nous avons le Pulp Fiction T-shirt. Thanks for that. Lorsque Robert Redford ouvre son frigo, eh bien, si vous l'avez remarqué, il y a de la vinaigrette signée Paul Newman. Et puis, si vous faites attention aux livres qui sont chez Steve Rogers, eh bien, je ne dirais pas, mais regardez bien le titre des livres, parce qu'on pense toujours que c'est très intéressant pour le public qui va parfois revoir le film deux fois ou trois fois, eh bien, à chaque fois, de découvrir des choses et d'être surpris. Autre question. Où est le micro? Si. Oui, là-bas. Bonjour. Une question aux trois comédiens. Savoir quelle scène leur avait donné le plus de plaisir d'interprète. Et une question subsidiaire pour Scarlett Johansson. J'ai cru comprendre qu'elle pensait réaliser un film et je voulais avoir confirmation ou pas. All right. So, the first part of the question is for the three of you. As actors, which scene proved the most enjoyable to actually play? Well, for me, you know, given a movie like this, you're so saturated in action all the time. It's nice when you get to have a still moment. It's nice when you actually get to exchange and emote. And then there's a really beautiful scene where I actually had very little to do with it, where Scarlett's character and I have a moment of reflection, and Natasha specifically is kind of learning a bit about herself. And I think in all the Marvel movies I've seen her in so far, it's the one where you see Natasha kind of crack, you know, and expose a bit of herself. It's the most vulnerable I've seen Natasha behave, and she's so phenomenal in the scene. Like I said, I didn't do much. I just got to watch, but it's my favorite without giving too much away. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que dans la mesure où le film est effectivement plein d'action, eh bien pour moi, ce qui est intéressant, c'est les moments un peu plus calmes où on peut vraiment faire parler l'émotionnel. Il y a une scène que j'aime beaucoup, dans laquelle d'ailleurs je fais très peu de choses, mais en revanche, Scarlett, dans le personnage de Natasha, eh bien montre un aspect d'elle-même qui est très rarement vu, et à la fois dans les comics et dans les films, c'est-à-dire une certaine vulnérabilité. Pour la première fois, elle s'ouvre un peu. Et ça, pour moi, c'est une scène, de nouveau, à laquelle je n'ai pas beaucoup participé parce que je l'ai regardée jouer et c'est un moment qui m'a touchée infiniment. What about you, Scarlett? What would be the scene you had the most pleasure in? The deleted scene with Sam, probably. No, I'm just kidding. Vous avez compris la scène qui n'est plus dans le film. Non, c'était une blague. That was one of the most pleasurable for me. And then, of course, the scene that Chris just described. And I think any time, you know, these films, of course, the productions are huge, and we were there for the entirety of them. And you know, there's plenty of days where, you know, we just kind of do that, like stop, look, run, acting, run, kind of thing. You know, and that can go on for 2 weeks while a huge sequence is being filmed. You know, of course, the impact of the sequence in the end is explosive, but, you know, it's not like what you wake up to do every day. You know, it just sort of becomes a kind of a job at that point. And I think all of the scenes where I got to work with Sam, or, you know, where I got to work with Chris or Anthony or Kobe, I mean, scenes that we were actually really enjoying, you know, the written word, and, you know, be able to have give a nuanced performance, you know, that's the joy of coming to work every day, you know, is really being able to play with the other actors. And you know, luckily this time around I think we had quite a few good moments like that. Alors pour moi, évidemment, c'est la scène donc vous ne verrez pas, mais que vous la verrez en DVD, que j'ai eue avec Samuel Jackson. Mais c'est évidemment aussi la scène que vient de recréer Chris, parce que évidemment, il faut comprendre que c'était une production énorme, et parfois pendant 2 semaines, nous tournions une séquence où il n'y avait qu'à vraiment à courir, s'arrêter. Enfin, vraiment des scènes d'action pure et dure, même si on sait que une fois le film monté, cette scène sera explosive et formidable. Ce n'est pas le plus agréable pour un acteur. En revanche, toutes les scènes où l'on nous permettait, justement, mes scènes avec Samuel ou bien mes scènes avec Chris, de jouer, d'être dans le verbe, d'être dans le scénario, de pouvoir nuancer mon personnage, eh bien ça, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus agréable. Et je trouve que dans ce film, dans Le Soldat de l'hiver, eh bien, il y a vraiment davantage de scènes comme celle-ci qu'auparavant. What about you, Samuel? I wouldn't say it was the most fun, but
but interesting, only because as a young actor, you know, you sit in the theater and you look at famous actors on screen, and it never occurs to you that you're going to be on screen with one of those famous actors. So those days that I worked with Redford were really interesting, just to be there in that space with him and to be able to do, you know, those scenes and, you know, say to yourself when you got home, and you can talk to your friends and go, so what'd you do today? I said, yeah, I actually worked with Redford today. And they go, Redford, really? Robert Redford? And so, yeah, those kind of things are always surprising, even for me. I could still be surprised by getting those jobs. Alors, je ne sais pas si j'appellerais ça les scènes les plus drôles, mais en tout cas, c'était très intéressant pour moi. Vous savez, jeune acteur, je regardais des acteurs comme, évidemment, ils parlent de Robert Redford. On ne se dit pas qu'un jour, eh bien, on jouera à leur côté avec eux une scène. Donc, c'est vrai que mes scènes avec Redford, eh bien, être dans le même espace que lui, être joué avec lui, eh bien, c'était formidable. Et c'est vrai que quand on m'appelait au téléphone, on me dit « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Ah, j'ai joué avec Redford. Et c'est génial. Donc, c'est vrai que j'ai encore cette capacité d'être surpris. Et c'est vrai que de jouer avec Robert Redford, eh bien, était une surprise et une récompense formidable. Autre question ? Alors, oui, c'est une question pour les réalisateurs, Joe Anthony Russo. Vous avez fait de nombreux épisodes de séries comiques comme Arrested Development, Happy Endings, Community. Et est-ce que vous pensez que le tempo qu'il y a dans les séries comiques vous a aidé dans le tempo d'un film d'action? Well, you've known for, in a way, your comedy, so to speak. We're talking Arrested Development, Happy Endings, Community, etc. Do you feel that the comic tempo, in a way, helped you for the action tempo? Absolutely, it's a very accurate statement. Yes, there's timing and rhythm in comedy, and there's timing and rhythm in action sequences. We said that choreographing 10 comedic actors in a scene is of a similar, you know, geographic complexity as, you know, choreographing Captain America and Winter Soldier in a fight with each other. So it certainly was applicable and very helpful to have that background. Alors, en fait, vous avez absolument raison. C'est très juste parce que le timing, le rythme dans les scènes de comédie, eh bien, évidemment, ça a servi pour le timing et le rythme dans les scènes d'action. Et lorsque l'on doit, en quelque sorte, chorégrapher 10 acteurs, eh bien, c'est aussi complexe, finalement, que de réaliser une chorégraphie de combat entre, par exemple, Captain America et le soldat de l'hiver. Donc, c'est absolument, en un sens, cela nous a beaucoup aidé. Dernière question. Où est le micro ? Voilà, dernière question. J'ai une question légère pour Chris. Je voudrais savoir s'il aimerait avoir l'expérience d'un homme de 95 ans dans le corps qu'il a actuellement. Une autre question concernant le film. Le thème du film, c'est aussi la sécurité qui est un frein à la liberté. Est-ce qu'en tant que comédien, Scarlett et Chris ont eu l'expérience de subir des mesures de sécurité qui freinaient leur liberté ? Okay. Et Scarlett n'a pas répondu à la question sur la mise en scène de son film, la direction de film. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, it's directing. Okay. Well, light question for Chris. I mean, would you like to be your age, and have your body, but have an experience of the 95-year-old man? Wow. wow. sure. I mean, of course, I would make day-to-day life a lot more manageable. But I think that's part of life, is making mistakes and learning from it and growing from it. And I wouldn't want to rob myself of that experience, I suppose. Alors voilà, bien sûr, en quelque sorte, cela rendrait le quotidien plus gérable. Mais moi, je pense que la vie, eh bien, c'est évidemment commettre des erreurs, apprendre de ses erreurs, grandir. Donc, je ne voudrais pas me priver de cette expérience. There's a question now for really... both you and Scar, I mean, one of the theme of the film, obviously, is security versus freedom. How much do you give up for security? I mean, do you feel as actors that very often you have, I mean, problems between security and your own personal freedom? You mean as people in the public eye? That's what you meant, asking? Right? Oui. Oh. C'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Tout à fait. I don't know. Well, I mean, just, of course, being someone who's recognizable takes away some of the freedoms of being anonymous.
Or at least, you know, it's kind of, I guess, in part sort of your state of mind. As I get older, I think I'm more comfortable, you know, in my own skin. And so, you know, things I may have been self-conscious about before, like people staring at me, while that's not always going to be totally comfortable, you sort of accept that that's kind of part of your fate as a recognizable person, and makes it a little bit easier than running around and, you know, like trying to hide yourself all the time. I mean, it's never going to be, it's a strange reality to adjust to. I don't know if you ever totally make that adjustment. Unless you hear somebody say, we're going to attack her. Yeah, exactly. That can be scary too. I mean, you know, sometimes, like for instance, Sam just reminded me the other day, walking, we had a kind of crazy reception at the airport and in Los Angeles, and some guy said, you know, something like, well, you know, I don't know why you're trying, why, say it said to somebody that was with me, I don't know what you're planning on doing, like as soon as she gets out of the car, we're gonna attack her anyway. And, you know, that to me is sort of a hard reality to wrap my head around. So there's times when I think when you feel more unsafe than others, but I think mostly, I feel as, you know, I'm as content in my mind as can be expected, I suppose. Alors voilà, évidemment que lorsque l'on est évidemment quelqu'un de connu, une part de votre liberté s'en va. Mais je crois que, vous savez, quand on grandit aussi, mon état d'esprit a changé. Je suis bien plus confortable, je suis bien mieux dans ma peau qu'auparavant. Donc maintenant, les gens qui me fixent du regard, etc., bien, j'accepte tout ça comme faisant partie intégrante de cette étrange réalité qu'est la nôtre lorsque nous sommes acteurs. Et ça me rappelait effectivement, parfois on a des moments un peu de panique ou de peur, parce que ça me rappelait que l'autre jour à l'aéroport, nous sommes arrivés à l'aéroport de Los Angeles, et aussitôt des gens autour de nous ont dit, là là, dès qu'elle sort de la voiture, on l'attaque. Donc c'est quand même un terme qui peut faire peur, mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, je suis bien dans ma peau et j'accepte cette situation comme elle l'est. And probably it's the same for you, Chris, or you accept your... Sure. Yeah. Well, I mean, it's certainly a challenge. It's tough to complain about, because obviously this, you know, we chose to do this as actors. It's our bed. We have to sleep in it. But I will say there is a skewing. You know, the trending wave that seems to be happening. I've actually spoken about this with Sam. I can only imagine what it would be like to be in our position 20, 30 years ago, prior to the internet. The way things are moving with technology, there is far more of a coordination among the people who want to know about your life, and you in turn sacrifice a little bit more, and you have to compromise a little bit more, and it's not like there's a corresponding scale in what we benefit from. You know, life as an actor is no different than it was in the 1980s, but you sacrifice quite a bit more. I wonder at a certain point, you know, how far that's going to go. Even press, there's just so many outlets in there. It really is a sliding give and take. I'll leave it at that. Alors voilà, bien sûr que, comme Scarlett le disait, bien sûr que c'est un défi, mais on ne va pas non plus se plaindre de réussir en quelque sorte. Et c'est vrai que j'ai du mal à... Je me dis toujours qu'avec l'arrivée, par exemple, d'Internet, de la technologie, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos vies ne sont peut-être pas très différentes de la vie des acteurs des années 80, par exemple. Mais avec toute la toile, avec toutes ces technologies, eh bien, tout le monde, finalement, veut savoir ce qui se passe dans nos vies à chaque instant. Donc, parfois, je me demande d'ailleurs jusqu'où ça ira. Il y a tellement de médias qui se développent, c'est assez incroyable. And there was part of the question that that we didn't say about you directing. Is that true? The lady was wondering, will you direct? Have you directed already? Me? No, that was for Scarlett. I know you did. I know, Train 130, her. You did. No, she was looking oui, at parce me. Que effectivement, I'll Chris. I'll take this one. All right. Oui, parce que Chris vient de réaliser effectivement Train 130, donc il pensait que c'était peut-être une question pour lui. Well, no, it's a question for Scarlett. I'm directing a film next spring that is an adaptation of a Truman Capote novella called Summer Crossing, and that's what I will be doing. Ah, alors voilà, donc voilà, effectivement, Scarlett va tourner son premier film en tant que réalisatrice le printemps prochain. C'est une adaptation de Summer Crossing de Truman Capote. Well, all right. Well, I have a last question. Really, this is for you two. I mean, Anthony and Joe, I understand that you discovered yesterday
the first ever exhibit of Marvel superheroes in a museum, which, by the way, was Stan Lee's wish. I mean, at the Art Ludique, Le Musée, it starts on the 22nd of March, but you were the first to see it yesterday. Don't you think it's high time that all the comics artists, the designers, all the creators, are finally recognized as true artists on their own? Parce que voilà, il y a une exposition, j'espère que vous allez y courir parce qu'elle est formidable. C'est la première exposition au monde sur les héros de l'univers Marvel. D'ailleurs, Stan Lee avait dit qu'il espérait qu'un jour ces super-héros entreraient au musée. Eh bien, c'est chose faite grâce à Art Ludique, le musée. À partir du 22 mars, vous avez tout l'univers des super-héros Marvel. Et eux ont été les premiers, en avant-première, à découvrir cette exposition. So what's your take on that? Shouldn't they run for Oscars as well, in a way? I mean, as a lifelong comic book collector, it's probably the greatest art installation I've ever been to. I loved it. It was put together with incredible passion. If you're a comic book fan, run, don't walk to see the installation. It's amazingly well done and has as rich a collection of original comic material that I've ever seen. And it does an excellent job of incorporating the Marvel Cinematic Universe into the installation as well, and showing how the books have influenced the universe and vice versa. Alors voilà, déjà, vraiment, si vous avez le temps, surtout, allez-y, courez-y, c'est une exposition incroyable, Art Ludique, le musée, je vous le disais, parce qu'on y voit à la fois tout l'univers cinématique de Marvel avec les installations, et l'on voit à quel point, effectivement, les comics et les héros ont influencé notre univers à nous. Voilà, merci infiniment. Thank you very much for being with us, for bringing Captain America to life. Merci à vous tous.